sous ce qui est de vous et qui sont des malheurs, sont des joies amenées, tu trouves autorité sur ton ennemi. Chaque temps que tu rentreras, ce serait avec des témoignages. Je vous donne au nom de Jésus. Le premier culte s'achève. On te cherche pour te donner. Il voudrait mettre un jour à ton cou. Il voudrait te conduire comme on amène les chaînes. Que les chaînes soient brisées. Tu es plus que le temps au nom de Jésus. Là où tu ne pouvais pas prendre les choses. Le ciel et la mer du ciel ont des choses dans ta main. À partir d'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de prendre. Que la mer ou l'intervention divine rentre dans ta main. Je prie que cela soit exactement. On a pris soin de Jésus. Amen. Le thème de ma prière. Marcher avec Dieu. Oui, voilà. Amen. Marcher avec Dieu. Mais c'est difficile. Regardez lorsque deux personnes sont amies. Regardez. Mais tu marches avec une personne. Et une personne qui est dirigée par Dieu. Et toi, tu es cher. Et ce dernier est. Vous allez faire une compagnie. Les gens ont cheminé avec vous. Et leur vie était bénéficiaire. Ta marche avec Dieu est bénéficiaire. Au nom de Jésus. Moi, je ne sais pas que je suis en train de me faire un peu. Je ne sais pas que je suis en train de me faire un peu. Est-ce que vous dites, mais tout ça là, mais Bella, elle a vous appelé ma route à la fin et tant. Et vous dites, tout, la puissance, la c'est pas Dieu. Je trouve tu marches pas avec Dieu. Et là, marché avec Dieu. Et il a engendré des cafés. Ta marche avec les pères. Amen de la bonté et la multiplication dans ta vie. On ne rebrousse pas le chemin. Il a marché avec les grands. Tu n'as même pas encore fait la moitié. Je vous interpelle. Je marcherai avec lui jusqu'à la fin de ma vie. Depuis que l'Éternel m'a appelé jusqu'à la vie. Ça attend vers toi. Je n'ai jamais repoussé ce chemin. Qu'importe. J'ai fait ce choix. Cela m'est tu as compris que le feu là, je vais marcher avec lui jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Et donc, à marcher avec lui. Et il a plein d'éternel. Et l'éternel l'a enlevé. Je prie pour vous. Nous allons rentrer dans l'année dans laquelle nous allons rentrer. C'est l'année des sacrifices. Les jours j'ai passé 1000 ans. Il vivait avec les ténèbres plus de 800 ans. Et il y avait toujours de la bonté. Tous les jours où tu
servira l'Éternel. Que tu prospères. Amen. Cela ne signifie pas que lorsque les problèmes surviennent, tu déclares que vous avez adoré l'Éternel. Cela signifie que tu n'as pas encore compris l'Éternel. On n'attend pas l'Éternel à cause des intérêts. Si ton amour n'est pas frais, tu es un homme réel. Tu attends et tu sais. Lorsqu'il y a des tunnels, il est pour Dieu. Il est pour Dieu. Mais lorsque tu auras la femme, alléluia, et change la famille en abondance. Un peu Dieu. Il y a la mort dans le pot. Mettez la famille. La mort s'est transformée en vie. Marche avec moi jusqu'à la fin de ta vie. Amen, amen. Et puis, va vers moi. Et va vers. Et si elle a besoin de la mort, elle vous vit. Elle avait la mort pour les dieux. Elle vous vit. Elle vous vit. Faut que tu aies terminé ça. Amen. Souvent, on peut à la fois te prédire, à la fois l'imprédire, on peut le faire avant de lever les yeux. Un jour, l'Éternel a appelé Enoch. Il est pas mort. On l'a enlevé. Je vous interroge. Amen. Au sein de l'adoration de Dieu, se trouve toute chose. Au sein de l'adoration de Dieu, se trouve toute chose. J'ai rencontré des problèmes dans ma vie. Celui-ci m'a fait. Tu n'as plus adoré l'Éternel. Tu n'es pas adorateur. Je prie pour toi. À la fin du culte, dis-toi. Amen. Je vais passer jusqu'à la fin de ma vie. Je vais le voir jusqu'à la fin de ma vie. Que le ciel vous bénisse. Acclame Jésus. Alléluia. Je vais le voir. Genèse 6, verset. Il était une personne intègre. Une personne qui craignait. Il marchait avec moi. Je prie pour lui. Parce que tu marches avec les gens. Et que tu es son adorateur. Ne sois pas une personne fausse. Un menteur. Toi-même, tu te trompes. Je vais le réveiller à ta carte. Je vais le faire à ta carte. On ne l'attend pas ici. Je vais te le répéter. Pour adorer l'Éternel, tu dois l'adorer comme Noé. Tu dois être une personne intègre. Tu dois être une personne qui prie. Ce n'est pas une personne qui prie. Tu dois te tailler. Mais si tu le fais, tu auras du progrès. Adorer comme Enoch. Et tu achèveras ta course comme héritier du ciel. Et tu vas adorer comme Noé. Et le résultat, tu n'auras que de l'abondance, de la résultance. Les gens diront, mais celui-ci ne le fait pas. Mais tu, quand l'histoire changera catégoriquement. Vous laissez bien encore. Que le Seigneur nous écoute. Amen.